c'est comprendre. Gamine. Des folles dingues. Attendez, je reviens. Je suis un café.
Guihi. Pervers. Il va voir la culotte de Lucy, je suis sûr. Doko ni iku kana? Koko da na. Gihi. Otto. C'est la rechignée. Otto. Petit vent extérieur là. Casse le vent. Elle a pris plein sa tronche, la gamine. Il est pas là, Gré-sama. Laisse-le tranquille. Ah, 80 000, c'est mort. Je viens de lui foutre un grand coup de pied dans le nez. Comment ça, c'est pas ce qu'elle a dit. Eh oh. Gihi.
Gihi. Vous avez vu, j'ai pas critiqué. Je suis pas triqué. Hein. Parce qu'il y a un vent frais. Du coup, bah, qui a la meilleure humeur. Il n'y a quand même pas que deux déchets à ramasser, rassurez-moi. Ouais. C'est parti une cour. Quoi? Hey, bravo! It's you again? Comme est-ce que ça va? Je regarde en VR. Ah, comment t'as pas de goût? Chacun son kiff. Comme dirait l'autre. Il en faut pour tous. J'avoue que je suis pute VO-STFR normalement, mais par exemple les Umbrella Academy, je les ai regardés en VFR, tu vois. Là je sais plus si tu troll ou pas là, parce que pour moi c'est un troll ce que tu fais là. Après j'avoue que le dessin animé Fairy Tail, je l'ai pas regardé. Donc ça se trouve, il y a vraiment des doubleurs de qualité.
Ouais, non, mais. C'est surtout qu'on est les rares à faire du vrai doublage, en fait. Mais on manque clairement de personnes concernées en fait. Heureusement que t'es pas le seul à regarder des animés en français. Hein. Y a des gens qui aiment la VF. Moi, je suis très VO en général. Je trouve qu'on sent plus passer les émotions. Ah, j'ai appris depuis longtemps à faire les deux en même temps. Donc. Des années d'entraînement. Bah, tu vois, je viens de me finir une série de light novels japonais en anglais. Parce qu'il n'y avait pas la version française. Il n'y avait pas encore sorti et je voulais les lire maintenant. Et je le regrette pas. Parce que le niveau d'anglais est pas de la grande littérature. Contrairement à Sherlock Holmes, par exemple, j'ai moins galéré. Et du coup, j'ai passé un bon moment parce que l'œuvre m'intéressait. Ah non, mais il y a plein de trucs qui changent, hein. Il y a la façon dont les gens s'expriment, les voix, les. Mais avec le temps, tu trouves qu'il y a plus d'émotions dans certaines langues, en fait. Quand tu les connais, en fait. Quand tu as appris à les connaître. Je vais faire un gros cliché un peu concon, mais moi quand j'entends un allemand, j'ai pas l'impression qu'il est calme ou qu'il est enjoué ou quoi que ce soit. J'ai toujours l'impression qu'il est énervé.
que les inflexions de la langue sont plus hautes. Mais... mais ça, c'est une question d'habitude. Ah non, 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 on est très loin de Dragon Quest. On est bien sur du tour par tour, on est bien sur du RPG, mais... ah non, non, je peux pas te laisser comparer ça à un Dragon Quest. On a là un RPG fait à la va-vite, qui ne parie que sur la licence. Ouais, j'ai fait le dernier Dragon Quest, en live d'ailleurs. À la sortie du jeu. Je pense que je me le reprendrai sur Switch pour le faire avec... je sais qu'il y a eu des ajouts. La version définitive, je crois qu'il y avait une quête en plus et quelques bonus. Le dernier Dragon Quest, ah ouais, il est très très cool. S'il n'y avait pas eu Persona 5, le dernier Dragon Quest serait le meilleur RPG de la décennie. De quoi, entre Dragon Quest et Fairy Tail ? Dragon Quest. J'ai même pas besoin de réfléchir. C'est ça, et il souffre beaucoup de son jeu à licence, hein. Il a manqué d'amour à la création, le jeu. J'ai promis de faire un peu moins de critiques et plus de d'avancer. Alors arrête de me pousser à critiquer les jeux, hein, s'il te plaît. Hein. T'arrêtes maintenant. Hein. Allez, ma, je vais pas engueuler encore. Allez, ma. Les boobies, par contre. Ah, les boobies, ils les ont animés, hein, les boobies. Ah, là, tu vois où est le passé budget, quoi. C'est différent. Mais le 9 pâtit aussi de son support, tu vois. Enfin...
De toute façon, on fera un classement des Dragon Quest quand je les aurai tous repris en live. On a fait les deux premiers il y a quelques mois. On va enchaîner. Hein. D'ailleurs, je vous conseille vraiment le premier. Le premier, c'est quelque chose de très très cool. Il est très très rétro, mais il est très sympa. Le deuxième est plus cryptique, je trouve. Il y a des trucs. Va les faire plus. Tier list des RPG. Le problème c'est que c'est toujours pareil, les RPG c'est les jeux du cœur. Mais oui, on pourrait faire une tier list du RPG. Le truc c'est que comme je vais mettre FF7, le dernier sorti là, en bas de la liste, les gens vont commencer à hurler. Mais comme je vais le mettre avec l'autre FF7, même les spin-offs, non, je peux pas les spin-offs. Je suis désolé. Il y a un moment là, comment dire, les mecs ont sorti un Dragon Quest quand même. C'est Sword, je sais plus quoi, sur Wii. Et il y a une limite en fait à ce que je peux tolérer au niveau de la sodomie. Et non quoi. C'est insupportable, j'ai joué 20, je me suis fait mal au bras quoi. Tu regarderas, tu chercheras, c'est Dragon Sword. C'est Dragon Quest, Sword, je sais pas quoi, oui. Et en fait, ils voulaient profiter du fait de faire ça avec la Wiimote pour faire en sorte que les mouvements apparaissent. Et en fait, c'est un Dragon Quest que tu vois à la première personne en mettant des coups d'épée. Quand je te dis, j'ai joué une demi-heure, j'ai arrêté. J'ai joué une demi-heure, j'ai arrêté. En plus, je crois qu'il est sorti juste au moment de la Wiimote Plus et je l'avais pas. Donc, autant dire que c'était la galère. En plus, il y a les Monster Dungeon, non? Qui sont des dungeon crawlers, si je me rappelle bien. J'ai fait le premier Dragon Quest Builder hors live. Il est très sympa. C'est pas le Dragon Quest Pokémon? Je vais être méchant en disant ça, parce que bon, il y a aussi le Final Fantasy Pokémon, hein, si on part par là, mais. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est quand ils se sont tous dit, c'est le moment de sortir des figurines. Le truc, c'est que je me connais. Moi je voudrais que des slimes. Ça va mal venir si. Wendy.
Non, j'ai toujours trouvé ça triste parce que le slime de métal est tellement un milliard de fois plus cool que le roi slime. Bon, c'est un peu triste pour lui. Il faudrait que je change l'équipe, j'ai pas envie. Allons continuer le tournoi. En vrai, si tu regardes les compensations de la chaîne, tu sais, avec la nouvelle monnaie de Twitch, tu verras qu'il y a une possibilité pour toi de me forcer à jouer à un jeu. Et comme je l'ai pas dans ma liste, faudrait d'abord que je l'achète. Les villes de Tenro. La grande plaine. De Tenro. Non, ce qui est bien, c'est qu'on sait où on doit aller. Il y avait une quête sur l'île de Tenro. On va en profiter. Tous les Pokémon sont le level, les potables, les monstres. Ah, il y a des choses comme ça qui disparaissent. Hein. Mes heures à passer sur Monster Hunter 3DS. Il y a un collègue jusqu'à ce qu'il parte. Il a habité sur Lyon. Que j'ai plus de copains sur 3DS. On jouait même aux toilettes de l'entreprise. Pour garder le niveau et avoir les crafts pour les raids. Le soir pour voir les popos. Ah non, mais les Pokémon se sont totalement laissés porter en fait. C'est super dommage, hein. Le dernier n'a rien, mais rien pour lui, quoi. Que graphiquement ils l'ont à peine amélioré, l'open world est une plaisanterie. Une plaisanterie, hein, je vous jure. Et il n'y a aucun système nouveau, quoi. Oh, post-sexy. Pour ça, au début, j'étais super motivé quand ils ont dit ah, un Pokémon en open world et tout. Je me suis dit, bah, ça sera jamais un truc totalement bien, mais ça sera certainement plus cool que d'habitude. Et je m'étais dit, bah, je ferai la farm avec Kaz pour remplir le Pokédex. Et à la fin du jeu, j'étais tellement déçu que je l'ai pas rallumé. Mais littéralement. Hein.
Je pourrais pas te dire, j'ai pas regardé jusqu'à où ça allait dans l'histoire. Mais j'ai quelques heures de jeu déjà. J'ai déjà 16 heures de jeu. Ah bon, il y a un moment où je me suis arrêté, j'ai pas mal farmé. Après, je t'avoue que je préférerais que le jeu soit pas beaucoup plus long. Ça va être méchant dit comme ça, mais... Il y a beaucoup trop de failles. C'est quoi la quête principale? Ça suit l'anime. Alors ça suit l'anime, mais le truc c'est que ça a commencé au moment de du trou temporel. Tu sais, quand ils perdent 7 ans sur l'île après le tournoi de rang S. En fait, tu commences, ils viennent de revenir de l'île après 7 ans, en fait. Donc, tu es sur un Fairy Tail à moitié détruit, ce qui te permet d'expliquer pourquoi tes personnages sont faibles, en fait. Ce qui, ma foi, était une bonne idée, hein, de base, hein. Soyons d'accord, hein. Je suis très critique, je suis très méchant parce que je trouve que le jeu a été un petit peu bâclé. Mais il y avait quand même 2-3 idées quelque part. C'est ça, c'est beaucoup de quêtes à la MMO avec des retours constants en fait. Tu vois, ils se sont pas dit déjà qu'on a un système à la con, on va faire en sorte que ça. On va faire en sorte qu'on soit pas tout le temps en train de revenir à la base. Genre, tu sais, tu prends une pile de missions et tu les fais toutes, tu peux pas. T'es obligé de faire mission par mission. Sauf pour les missions d'augmentation de la base. Là par exemple, tu vois, j'en ai récupéré 5-6, du coup je vais pouvoir faire 5-6 quêtes avant de devoir rentrer. Mais c'est pareil, le budget boobies est visiblement passé par là, tu vois. Décalé sur la droite.
切られたいものからかかってこい。アイスメイク、アイスブリンガー。愛が精霊を強くする。レグレスインパクト。アイスメイク、コールドエクスカリバー。月戦。四季球の扉、レオ。レグレスインパクト。ガリューの鉄拳。もう終わりか。暴れ三年も。やれやれ、お出ましか。Putain, cette nouvelle capacité déclenche tout le temps. Ça va. Ice Make Floor. よし。行くぞ。サガクイの扉。